25 au 28 avril, c'est la deuxième édition du Festival du film espagnol qui s'est mis sur son 31 avec une invitée d'honneur qui a su conquérir le public nîmois, Victoria Abril, accompagnée de l'actrice Myriam Díaz-Aroca. Celles-ci ont participé à la cérémonie d'ouverture dans une salle pleine à craquer au CGR de Nîmes. Je vais accueillir mon ami Évrard Zaouche, qui va vous parler, qui va saluer les partenaires et parler un peu de l'histoire du festival. Voilà, on peut applaudir Évrard Zaouche. Par rapport à la lumière de l'écran. Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. C'est-à-dire, comme il est grand, je préfère être derrière, mais bon, il ne me laisse pas le choix. Pour le deuxième festival donc, du film espagnol, cette année, vous le savez, donc, on a comme invité d'honneur donc Victoria Abril, et pour ce faire, donc, on avait des partenaires et des sponsors, donc c'est moi qui suis chargé de les remercier. Donc, ils ont trouvés et ils ont répondu présent et je les en remercie. Donc, le partenaire principal du festival cette année, donc, c'est Mercedes Soudira, Nîmes, qui ont vraiment participé et nous ont beaucoup aidé sur ce festival. Bon, ben on vous laisse ça donc avec la projection de Talon Aiguille, ce film culte et mythique de Pedro Almodóvar. Grâce à ce film, j'ai supporté, je savais, comme Oliver Twist, que je n'appartenais pas à ce monde-là. Moi, le monde, mon monde, c'était que des normes. C'était des pingouins avec deux doigts. C'était pas vraiment des femmes, c'était pas des hommes, c'était des pingouins. Très froid. Et puis ça pensait énormément. Donc, moi, ça m'a aidé à tenir le froid, la faim et tous ces gens, parce que je savais, comme Oliver, que j'allais m'en sortir. Et puis finalement, un jour, ma mère est arrivée nous chercher, ma sœur et moi, et nous a sortis de l'enfer. Froid. Donc ça aide.